Pendant diverses diasporas qui l'ont bordé, a boycotté ancien président Michel Joseph Matéli, eh bien, Pabola Kay Panou, haïtien, levé tout ça, mettez sous tête. Tellement yon remè bandi légal là. Si nous t'aoué, pendant que Michel Joseph Matéli rentre dans le pays, pour Jean Mounio, t'as recevoir président, son bagay grave. Et on va poser cette question, est-ce qu'on va prendre même coup de bâton? Restez là, on va le bon détail et on va le compte en tout oui, parce que la police t'en met plusieurs arrestations. Il y a une arrestation qui fait dans le cabaret, il y a une arrestation, mes chers amis, qui fait dans mon repos, ou on va content en pile en pile. Comment nous y est-ce qu'on a pu kembe? Pendant un pile diaspora, dans divers racoins, si on comprend, il y a boycotté ex-président pays d'Haïti qui c'est Michel Joseph Matéli, parce que selon diaspora, selon haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau, yo fait qu'on est que négoré le tissu maintenant, tout ça c'est lui même qui on prend la cause peuple là dans grand goût, qui la cause pays d'Haïti n'est pas capable d'évoluer, qui la cause haïtien l'autre côté, yo pas capable nous respect parce que nous c'est haïtien, nous sorti Haïti. Et Michel Joseph Matéli avoué, mais il touché plaisir l'argent qui était destiné pour peuple haïtien, pour l'argent ça été capable de mettre pays à son autre rail qui c'est rail progrès, rail de développement. Et bien Michel Joseph Matéli, les riches, les petits, les riches, sans qu'elle pas travaille un jour, bon ami les riches, sans que l'argent, on prend que les amis ont gagné longtemps, je ne dis à la négo, c'est multimillionnaire qui y est. Et bien, pendant Matéli rentre dans le pays, il n'y a pas qu'à dire que ça rentre. Mais ça, je connais, il y a une activité là, comprenez, qui c'est Somfest. Je ne connais pas si c'est pour ça rentrer, pour participer là-dedans. Mais tout a fait apparition ailleurs. Si je ne fais pas de défaut, et bien, mon yote est tellement content, ouais, ancien président Matéli. Ce n'est pas grave. Vous avez une image, vous avez une vidéo, soit pensez. On a regardé cette vidéo ça, et puis moi-même par la suite, je vais tourner. Hein? On a regardé. Ok, bon c'est nous prenons sang, nous prenons temps, nous gardons des vidéos à clair. Nous voyons comment le peuple là voulait lever Matéli, mettre en les têtes, tellement content ouais ancien président. Même ça m'a dit, même dans l'enfer, il y a des gens pas. Est-ce que vous comprenez? Pendant qu'il y a un groupe de monde qui a joué Matéli avec un mauvais jeu, mais il y a un autre groupe tout qui a dit, ah, monsieur, c'est pas par la vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que, il y a une chose qui est supposée qu'on est, il faut qu'il y ait l'équilibre. Même si vous aimez le président Matéli, moi-même, je ne vais pas railler les gens qui aiment là, le fait que vous n'avez pas. Et nous n'avons pas apprécié le président. Pas un gars avec nous. Mais l'aime imaginer, non le cité dans Kachouboumbe, ancien président Jovenel Moïse. L'aime imaginer, il y a 1,50$. L'aime beaucoup quitter terre, l'aime beaucoup à regarder l'autre pays. Je ne sais pas si j'ai l'importance de 1,50$ diaspora qu'on a plein. C'est journée aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Je commence à dire, messieurs. Douleur arrête dans toute connu. Est-ce qu'on comprend ça? Matéli vient pas de bon nom. Si ça le prend, c'est ton bagage à clé qu'il t'a pas réalisé vrai dans le pays d'Haïti. On est capable de bravo, on est cassé, on comprend parce que on m'a participé dans le changement pays. Mais l'argent, c'est enrichi là, enrichi négo davantage. Est-ce qu'on comprend? Mais m'a regardé un président et qui est nul dans divers rebaibi, puis bon allié, monsieur, puis bon ami, monsieur, dans le pays d'Haïti, c'est nèg qui n'a pas gagné qui louche. C'est nèg là dans drogue, li dans kidnapping. Est-ce que nèg ça m'a apprécié? Non. Peut-être longtemps, l'aime pas de kokon type là parce que nous connaissons haïtien très naïf. Peut-être m'te kagon l'amour pour lui, mais je ne j'en dis pas. Là, imaginez, on nèg, li baye tête li, on sinon qui c'est bandit légal, elle finit grand pays à ouè, mais comment bandit envahit pays à? Comment on te capable de vle pour m'da gagne appréciation pour lui? Dit tout. Parce que m'dine ça, avant m'son journaliste, m'de gagne un haïtien. Est-ce que vous comprenez? Nous avons 10 ans de m'exercer métier, mais est-ce que 10 ans de m'exercer sous terre? Non! Haïti, depuis le premier crime dans l'hôpital Esaïe Gentil qui est chancerel dans la commune Cité Soleil, nous sommes haïtiens natifs natals. Ce qui passe actuellement là, vous dérangez avant tout. Venez là, présentons un bulletin d'information, fin bon bulletin bien baroule et puis c'est fini.
Nous sommes venus parler avec vous là, nous venons de tout ce là. Après ça, ok, déjà, nous venons parler et puis nous disons, nous avons croisé pour mon autre bulletin d'information. Non, il n'y a pas comme ça. Parce que moi-même, l'or est ma bon détail, je vais aller à tout le monde. Soit après senti dans mon mot, je vais lancer lui-même tout, je vais ressentir. Peut-être que je ne vais pas déclencher, mais dans cette analyse, je vais comprendre. Je vous dis, travail pas mal, on va continuer à faire parce qu'il y a un pile de monde qui va toucher. Ou même qui a un micro, pas utiliser pour détruire mon nom, utiliser pour aider, utiliser pour réformer mental chaque haïtien qui a sans reste avec. Chaque haïtien qui dit, ah, depuis jeudi à manger, demain si je vais me ce qu'on a un, qui a la vie, je vais me non, il va pas comme ça. Même journée jodi a m'a pensé m'a réfléchi après si moun m'a venir qui ça m'a quitter pour yo beaucoup de provision pour yo non pour qui ça parce que ne venons un pays côté pas de encadrement pour aucun jeune garçon jeune femme de pour choisir des bagages qui honnête de pour choisir à l'école l'état pas besoin c'est un monde qui kembe zam là ou ka riche dans moins que yon l'année moi même pour m'ta riche là faut me gagner un jeune femme même qui te quitter million pour moi m'ka gagner un petit cop pour manger demain si même m'ka travailler dit là demain m'ka vivre on l'est bon gars petit problème qui résout problème dormir m'ka résout problème manger m'ka résout problème $100 m'ka résout moi c'est m'a jeune millionnaire qui bon pour passer m'te gon pas on pas en famille t'es millionnaire hein mon maman papa m'te millionnaire pour ta quitter 30 millions pour moi dit tout pas mais faut me dire en pilote pays même si parent on bonne il pas millionnaire mais ça pas empêcher ti moun nan millionnaire non à cause gon strict ti est-ce on comprend à cause gon encadrement que l'état baille jeune ça cap venir parce qu'elle connaît jeunesse là c'est avenir pays ya. S'il pas baille jeunesse ça encadrement demain si j'ai ti moun cap venir ti bébé cap venir yo pas jeune yo pas jeune moun qui pour encadrer parce que jeunesse yo même yo pas encadrer yo. C'est-à-dire tout problème ça là oui même qui permet un petit comment on capable de ça on a un petit problème avec ancien président Matéli mais grand pile monde c'est moi tout parler grave oui grand pile monde là jusqu'à présent bon là on l'a font checker diaspora dans Saint-Domingue bon on va le vacher oui diaspora dans Saint-Domingue bon de pour pas Haïti diaspora toujours qu'un bel comme ça de pour changer numéro de pour son l'autre numéro capable pour de ou on paye $50 dans diaspora est-ce que vous comprenez. Il dit, Jasper ça a dit tout yorache ou bay au président Matéli, oui. Ou pour qui raison, le Matéli te président, Matéli te font bay on privilège de boire, te en question des canets. Ils sont debout à vivre dans ce domaine où on a 6 canets en cours 4 identification nationale. Il dit, l'immigration pas kaboto parce qu'on a 4 ou légal. C'est Matéli qui te la cause en pile haïtien qui a vivre le boire, te privilégié de bay ça. Mais depuis le Matéli final, il y a nada, oui. Nat bari nat pa gran fait non en tout cas mes chers amis j'en nous autre dans vidéo c'est comme ça moun yo té acclamé ancien président Matéli c'est comme ça moun yo té dame ou té content ouais président peut-être li gen quelque tel pa tenter dans pays ya pendant l'autre pays l'autre côté haïtien dans l'autre pays on bon a bay président Matéli mauvais gens. Ils ont pris des tandis que mon paquet aïe c'est pas bon, c'est pas qu'à manger. La vie chère encore, dollar mouté, $1.50. Et puis, l'on de l'argent, on dit, ah, bon, gain long, $1.50, non, bon, fin fait le compte là, mon d'argent, ni bon, vous voyez comme là, vous. Et il y a des tandis diaspora ça courait, tant c'est tant c'est là, nous toujours qu'on qui est-ce qui courait. Faut la dîner pas avec pour nous. Ils ont pris tandis que oui, j'aime beaucoup caca les toujours. J'aime beaucoup caca avec en tout cas, mes chers amis, l'autre détail qui me galba nous. La police t'en met plusieurs coups de filet parce que c'est bagaille sérieux net que la police a publié ces jours-ci. Pardon, petit bravo pour la popo, petit bravo la popo. Gagné deux jeunes garçons, mes chers amis, que la police marre. Et bien bonnet, jodi a, dans cabaret. Et se reprendre. Après, nex a eu, t'es fin gagné deux âmes. On voit la police qui a eu deux âmes sur une motocyclette. Et non, yo, c'est Wilbert exhumé ensemble avec John François. Mais yo joine deux âmes. Et Wilbert Ali m'a dit 29 l'année, John François a 25 ans. Mais pour procurer les Wilbert exhumé à lui-même, c'est tout ça que tu as des armes sous lit, des 9 mm, déchargé et vous jouez un grain cartouche. Si vous comprenez, la police joue un grain cartouche. En tout cas, next time, on qui sont après le faire avec Zam ça. Mais Dieu merci, la police qui est en fond façon pour mettre les mains dans pas de cas savé. L'autre détail que m'a dit encore, il y a un petit euro, monsieur lui-même, il n'y a pas de l'autre rôle. C'est prendre l'argent dans mes chauffeurs, prendre l'argent dans mes petits machins qui ont bousqué la vie, et tout ça, il y a une association malfaite qui l'a filé là-dedans, avec un paquet de divers actes que monsieur qu'on commet
Elles ont repris dans la zone et marché charbon bon repos. Elles ont repris tout ça, liboté non Hazard Michel. Vous donnez non Hazard Michel, mettez lunettes li, mettez si baye bonnet dans tête li, puis sortez de là, la prensonne moun, mais tout ça, j'aime ça, dit d'aller là, il fait partie de une association malfaite. Et bien la police m'a remissé, yo joine sous les 4645 gouttes, et lycée un membre dans groupe armé qui basé dans place, et sous place oxygène, nan, zone Jérusalem 8. On voit un petit gars comme chef Renault, mais on connaît monsieur sous nom Tigita. Aïe, chef gang là, oui. Et puis la police a cherché en même temps un paquet l'autre individu qui fait partie des groupes armés, ça, tant que Johnny, c'est sous nom ça on connaît, tant que Kerry, qui ont dit non gâté, non vent, qui c'est Papa Cray. Et la police a cherché un certain dé, Jean-No. Attendez, Jean-No. La police a cherché comme quoi nek qui fait partie des groupes armés, ça, mes chers amis. En tout cas, ce qui est important, la police a travaillé d'arrache-pied, la police a fait travailler comme ça doit, mais la police là, li besoin ti une bagaille dans mes populations, hein, c'est accompagnement. Accompagnement comment? Ou pas gen zam nan moun, pa ka di ou a l'accompagner la police là, les lap tan men opération. Non, accompagnement, c'est nan fournir des informations fiables, vérifier, et se comprendre, bay la police là bon jan donné, arrêter la police là à temps pour les arriver pour et opération là lui-même pour capable porter bon gens résultat parce que me dit ça sans nous mêmes la police a pas qu'à opérer. Se reprendre sans nous mêmes la police a fait fiasco, sans nous mêmes la police a pas qu'à gagner un bilan qui pesait lourd. Moi nga je n'ai pas rappelé on t'a parlé de rapport ça non publié qui fait état de 49 monde qui mouri à Kabal et maintenant qui dit yo pas parler de drame bien de la guerre qui était gagnée dans Cité Soleil côté plus façon centaines de monde t'est mouri selon de l'autre organisation puisque dire pas de gagner logistique nécessaire pour te chercher connaît et combien monde qui mourit ou bien blessé dans commune Cité Soleil qui te gagné bataille entre gang Axamio. Mais nous allons parler avec économiste Edzer Emile concernant information ça que publié hier soir sur page li qui fait quoi inflation dans pays d'Haïti li rivé coulia 29%, ça veut dire qui Jean Prio monté dans économie selon dernier chiffre IHSI publié avant hier soir et Edzer Emile fait connait depuis 2003 c'est inflation qui pire nous Jean Mouet en Haïti avec nous oui. Économiste Edzer Emile oui, oui. Avant de prendre économiste tant qu'on question m'a posé ou même avec Lydie peut-être avant journal la fini n'a aidé nous joindre les réponses l'état tout commande une série de équipements matériels pour la police jusqu'à présent équipement il y a toujours dans route ou bien il y a quelque part Même zam ça yo tout leur rentré dans conteneur généralement la police pas gen droit pour utiliser yo parce que gen trois bagages fondamentaux dans question commander équipement pour la police là par rapport avec embargo gen sous pays c'est qui boy a acheté yo et qui l'a privé dans pays est-ce qu'il y a font bon gestion des li donc l'état pas un bon gestionnaire dans ce sens donc ça va ça qui opposé ça avance OK et Edzer Emile bonjour bonjour guerrier bonjour et mesures que ils ont utilisé pour regarder qui j'en prie au progresser dans l'économie prix du que l'a acheté et IHSI ni même qui est habité pour faire ça il y a des inspecteurs qui sont terrain qui regardent chaque mois qui j'en prie au quantité de produits que ce soit alimentaire transport gaz etc ils regardent qui j'en progressé et puis à partir de ça il y a un chiffre qui dit que 29% que publié en fait ce chiffre juin lié
li vle di ke de juin ane passé à juin ane sa, prio augmente environ de 29%. Mais ça 29% vle di, vle di ke si on bagay tap 25 goud, li vin 20 129 goud. Mais son moyenne que li, parce que des produits qui doublent, il y a des produits qui peut-être augmentent de 50%. Donc, quelque part, il y a une idée de qui j'ai pris pour progresser l'économie. L'élève, son moyenne, bon, pour exemple simple, dans le rapport, il y a sous certains produits, exemple, du riz, c'est 45%. Ça veut dire que si on dit qu'il y a 25 gouttes, il y a 145 gouttes. Il y a exemple pour poisson, qui est 54%. Il y a pour l'huile, qui est 88%. L'huile a presque doublé. De juin 2021 à juin 2022. Donc ça, c'est beaucoup à comprendre. Mais ben, il faut comprendre que l'inflation existait dans toute économie, mais depuis que l'idée dépassait 2%, 3%, 4% son année, c'est déjà grave. Donc le rapport est de 29%, donc très loin de ça qui est normal comme inflation dans l'économie. C'est une frontière aux États-Unis là, le Parti démocrate là prend pile pression et le quand même risque de perdre l'élection pour le fait ça de faire année juste parce que l'inflation arrivée de 9% aux États-Unis qui va jamais arriver depuis 40 ans. Donc ça veut dire que madame Bespico qui ça 29% veut dire. Et l'homme dit que depuis 2003 nous pas jamais vivre ça, c'est parce qu'en 2003 dans le mouvement pour GTA Aristide, tu es arrivé dans une phase d'inflation arrivée même à 41%, c'est très grave. Et depuis là, il est toujours et dans fouchette on a dit et qui pi bas et nous t'est arrivé dans même à ce moment 3-4% et puis à partir de 2015 devine commencer remonter dans 10% 12% jusqu'à ce que aujourd'hui a nous arrivé dans phase et on a dit insupportable de prix et ça lui-même au final selon qui zone courrier guerrier inflation lui varie bon bon exemple simple et IHSC mettait en région. Donc, moun ki nan région sud, ça veut dire moun ki nan Grand Est, moun ki nan sud, moun ki nan Nip par exemple, inflation pa yo pi élevé que moun ka nan nord. Raison bien simple, accès produit pi difficile pou moun yo traverser avec matisa et donc li vin yo beaucoup plus cher. Maintenant, par contre, sou gon question sou définition hein, oui. Avant que m'ta bo quelques causes que m'pense. Oui, c'est ça, c'est la cause hein, effectivement. C'est ça. Donc maintenant, on pense qu'il y a plusieurs bagages qui expliquent ça et guerrier. Une là dans c'est prix gaz parce que gaz sont produit transversal. N'oubliez que en décembre, le gouvernement haïtien a déjà augmenté gaz là. Et le ça diesel te gen tan deux fois prix. Donc pour gen 350 gouttes diesel. Donc là fin rivé, li pral prend en quantité de temps pour l'impacter prix parce que diesel là li utilisé pratiquement dans pile entreprise qui a produit, qui a transformé et cetera en pile machine qui a transporté. Donc ou pral wè à partir du moment que gaz la vin doublé sous diesel particulièrement, li pral font quantité moins pour l'impacter. Et pire que ça, maintenant, l'organe de non contexte international, tout, je dis à nous, inflation internationale. Par exemple, je parle des États-Unis, je dis à nous, les cousins, l'autre bois, ou bien frère, ou bien soeur, les bras, ou que, et prix manger, et que ce soit prix gaz, tout bagaille, pas même prix avant. Mais Haïti, même, 70% produits que nous avons consommé, nous pas faire ici. Ils sont à l'étranger. Ça veut dire que, ils sont déjà dans un pays qui déjà fait prix affiché. Que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit Saint-Domingue, qui sont trois principaux partenaires commerciaux à l'Haïti, ils ont déjà un prix élevé la caillou. Donc, nous venons acheter dans le même déjà à un prix élevé. Pendant que, en même temps, le transport international vient deux fois, trois fois plus cher depuis le corona est installé dans le monde là. Donc, tout ça vient d'abattre, activer la situation qu'on a là. Maintenant, bon, l'autre élément encore, et son élément de rareté. Parce que les gens ont une crise géopolitique dans le monde là, il y a des pays qui ont essayé de conserver ça pour ne pas exporter, parce que par contre, qui ont été capables. Exemple, la Russie avec l'Ukraine représente un gros marché dans la question céréale dans le monde là. Tout le monde connaît ça. Dans le blé, dans le bain, dans le bagage, dans l'huile, et aussi. Donc, le pays ça a en crise, il ne dit pas automatiquement qu'on a rareté. Produit même mon cap produit là, les mêmes les vins augmenté prix à et c'est ça qui arrive pour des pays comme Pérou, Argentine, Brésil, Chili, yo même qui pas de crise mais qui vient augmenter prix produit que à vendre parce que bien raté sous marché à
Et dans l'autre élément, c'est dollar. Parce que l'on a acheté un dollar dans un pays étranger pour revendre en Haïti et dollar augmenté, il naturellement fait prix à remonter. Parce que moun sa kap importé à lui-même, comprenez bien. Moun n'a importé un dollar et dollar monté. Donc, prochaine fois, libéral commander encore, il est obligé de demander mon Haïti à plus comme en good pour être capable de ces dollars pour l'acheter pour produit que l'a acheté. Donc, tout ça, il participe dans le créer. Mais l'autre élément, c'est la sécurité. Il y a un entrepreneur aujourd'hui qui sort du Port-au-Prince, qui prend le vendre produit au CAI ou bien et Jérémy. Mais, ni, quelque part, s'il pas payé bandit, il faut le passer par l'an, mais la paye pas tout le temps quand tu te comme. Donc, ça n'y a rien là comme situation de sécurité. N'y a pas son bagage sous frontière. Paul va casser ma aux autres quand tu te comme pas moi. Donc, il vient de faire qu'on soit de taxes sous produit guerrier. Le fait que ou bien un pays qui est contrôlé par des gangs, sorti dans la ville, passé par Matissan, passé par quoi des bouquets. Donc, tout rentre produit, il vient pratiquement une taxe sous produit qui fait que mon cap vendant lui-même n'est pas payé conséquence. Là, c'est mon qui va l'acheter et qui va payer conséquence. Donc, il va ajuster pour y a tout le monde ça. Donc, ça, tout, c'est un élément important. Maintenant, pour l'autre élément, je vais finir sur Kozio, c'est que et à peu près 40 à 45% des produits alimentaires que Haïti consomme, les produits locaux. Mais là, je regarde les performances, ça me regarde les campagnes printemps, ce que l'administration agriculture a réalisé pour capable relancer l'agriculture, il n'est pas vraiment réussi. Donc, campagne n'a pas réussi, ça veut dire que nous n'avons pas vraiment augmenter production locale nous dans le contexte ça pour nous être capable de satisfaire demande là. Donc bon rentrer sous point ça qui vient faire que automatiquement on gagne rentrer prix au gal augmenter son ensemble de denrées que n'a pas acheté et chaque jour. Maintenant avec tout ça n'a couvrir avec un gros bagage nous les incertitudes. Et pour gagner incertitude, mon pas connait ça ca dans le pays a insécurité dans commune. Donc automatiquement il crée une sorte d'anticipation qui est négative et tout le monde qui vend pensait que le produit a pris plus cher. Donc automatiquement il vient créer une pression sur le produit a, et si ça n'a pas assisté aujourd'hui là avec une inflation qui est insupportable, je ne dis là mais là dans la rue où elle a vu a plus mal toujours que chiffre ça que nous baille là parce qu'il n'est pas même capable vraiment mesurer. Ils ont pratiqué dehors parce que l'homme on a fait revente. Tant que chaîne n'a plus longue, c'est ton prix final que le consommateur final a acheté, capable de picher et guerrier. Et ça veut dire qui ça par rapport à condition la vie mounio avec une inflation dans le niveau ça? Une inflation contre la guerrier, il peut simplement accélérer la misère avec la pauvreté dans la rue. Et il y a un meilleur indicateur pour ça. Ça nous relève insécurité alimentaire. Ça veut dire que le monde n'a pas qu'à manger. Chiffre que tu as en mars, c'était 4,5 millions haïtiens qui n'ont pas qu'à manger. 4,5 millions en mars 2022 que CNS a été publié. Je dis à là, nous en août. Donc ça veut dire qu'entre temps, la situation a accéléré. Donc je n'ai pas de nouveaux chiffres, mais je suis certain que lorsque l'inflation comme ça, ça veut plus de monde qui n'a pas qu'à manger. Parce que qui a inflation, je veux dire, clairement pour que les gens comprennent. Ça veut dire que si je gagne 1000 gouttes l'année passée que je l'acheter dans le marché, marché Delma 30, ou bien marché Fondénègre, marché du 6, n'importe qui côté, marché au Cap, marché en bas la ville, Pétionville. Là, je gagne 1000 gouttes que je l'acheter. Et puis je mets tout ça, je l'achète dans le sachet. Là, je tourne l'année, après un an, je ne peux pas acheter même quantité ça, je l'achète avec même cobla. C'est ça lié. Donc, lorsque ça arrive, il voulait dire que automatiquement, il détériore les conditions, la vie, le monde, ça a lui-même qui fait face là. Alors que par exemple, pas de travail. C'est plus de business qui a fermé à cause de sécurité. Donc, nous avons une situation extrêmement difficile. Et moi, je vais dire, l'Afrique, mon discours de malheur. Moi, je ne suis pas certain que la vraie inflation internationale que nous avons vécu l'autre bord, nous consentons en Haïti. Ça veut dire que il y a une chance. Ça me sort de là, c'est chiffre juin. Ça, 29% c'est juin 2022. Donc, moi, pourquoi est-ce chiffre juillet et août, nous pouvons gagner, nous pouvons arriver. Donc, moi, c'est certain que nous sommes capables de jouer une inflation qui est beaucoup plus élevée. Les mapes gardent tendance internationale là, mais aussi tendance locale, côté pour pas gagner pression, gagner mon gap sous qui par rapport à la responsabilité que rien.
l'invasion russe en Ukraine, la situation économique des États-Unis, Chine, République Dominicaine. Donc, gain inflation par eux, nous même par rapport avec ensemble de produits, n'a pas importé pas bon ici. Nous, automatiquement, importé inflation. Tout maintenant, moi-même, moi, je voulais poser une question sur gaz là. Gaz là qui monte sur le marché international là, nous-mêmes, nous connaissons. Johnny, même inflation, hein? Même vous voulez lire la question de gaz là. Qui ça me voulait dire, économiste Edia Emile, entre un produit vin cher avec le pas disponible du tout, une grande différence. Donc gaz là vin cher, automatiquement, il monte sur le marché pas nous tout. Maintenant, jodi à là, c'est les deux. Non seulement il y a rareté, il y a pénurie, il n'y a pas de gaz là, mais tout ça rejoint, il y a un prix exorbitant. Est-ce que ça n'a pas aggravé la situation économique? Il vient de faire que même l'inflation, ça ne va pas mettre un chiffre sous l'IA, pas risquer d'empirer dans le moment où on a parlé. Non, absolument, parce que ça dit à correct. Donc l'entreprise n'a pas même qu'à jouer le gaz là, il n'y a pas situé sous le marché informel à un prix exorbitant. Et il était déjà monté formellement en décembre. Il a monté informellement dans la rue et moi-même je fais pauvre sans pied. C'est un bagage qui est beaucoup plus grave. Dans la Bible, il n'y a pas de rien par rapport à ça que vous avez vu dans la province. En termes de prix transport, prix moto, mon capsule d'Amari, par Chambilla, c'est un bagage extrêmement grave. Je ne sais même pas même comment je peux continuer à vivre encore dans une situation comme ça. Donc maintenant, il faut comprendre que Johnny, le prix gaz qui monte, il a en partie expliqué le théâtre. Parce que quelque part, et compagnie pétrolière, yo dit que faut l'État continuer bah aux différences qui gagnent sous galon. Parce que là, on fait calcul. Je dis à galon caprine, peut-être, si on fait calcul, prix acheté, etc., ça se pose peut-être dans 700 à 800 gouttes, selon ça, et compagnie, yo dit. Donc, yo dit que comme la vente mon chien en pompio, et puis, c'est l'État qui a bâillé la différence là, et puis, en tuant avec l'État, et soit l'État va gagner assez pour le bail, il va payer à crédit encore. Donc, bon bagage là qui a brûlé entre compagnie avec l'État qui fait que il n'y a pas acheté quantité de gaz que le marché a besoin par rapport avec question prix la bonne l'autre fois. Automatiquement, qui vient de nous sur Wabdia là, qui vient faire nous payer au final un gaz informel qui est beaucoup plus cher que s'il tape monté dans la pompe de manière formelle. Voilà. Et j'en dis là, plutôt que nous t'aguions quand même, au lieu que nous t'aguions du tout à un prix aussi élevé. Voilà, on met continuer par rapport avec l'autre point de faire. Et avant venir sur piste de solution et dire Emile, nous diffusé tout à l'heure là, il y a un reportage Michli Alexis qui parlait avec de autorité municipale, de magistrat qui obligeait mettait en disponibilité employé à cause. Et soit tu n'as pas qu'à travailler, par exemple, quoi des bouquets et employés n'ont pas qu'à sortir à faire travailler, donc l'argent n'a pas rentré dans Mério. Mairie Pétionville, doit 3 mois, elle dit et qu'elle est obligée de mettre en disponibilité employés dans certains services. Mairie Carrefour déjà fait. Jacques Mel doit 40 mois. Donc est-ce que nous t'as qu'à dire aujourd'hui là, nous avons un problème, l'argent. Et bien l'argent pas circulé ou bien même l'État en lui-même commencé touché par la situation économique que nous avons là. Ah non, bien sûr, c'est que victime de l'inflation, c'est dans tous les trois. D'abord, c'est le consommateur qui a acheté, qui a le marché, qui a le compte. Deuxièmement, c'est l'entreprise. Les prix au chèque pour l'entreprise de revendre moins. Mais troisièmement, c'est l'État qui lui-même tout consommé. Qui a acheté toute bagarre dans l'économie hein, pour tête li, et puis tout qui a fait face à fond, et qui a fait face à pression pour demander à ajuster ça allait tout, parce que la vie chère a monté sous mon yo, par contre qui dernière fois, et employé l'État a augmenté sa salaire yo. Donc ça veut dire que je dis à l'État tout, le fait que ou bien tout déséquilibre ça dans l'économie hein, qui fait l'économie en pape machin, li paye conséquences. Donc je dis que si vous êtes qui rentre dans douane yo, sans goujon rentre derrière. Donc, lorsqu'il y a une inflation, on goûte qu'à faire du valeur, ça veut dire que vous faites moins de bagaille avec vos recettes courantes. Donc, automatiquement, l'État vit dans une situation difficile. Et puis tout, lorsqu'il y a une économie qui est sous 4e année, les négatifs, c'est ça la Bible là, vous voyez. C'est pas une situation qui arrive chaque fois dans la Bible là. Donc, pour les gens qui sont jeunes, qui ont moins que 30 ans, nous pouvons comprendre ça. Donc, c'est 4e année d'une économie qui est négative que nous ne pouvons jamais. Même le terrain coup d'état à 2011, il va être comme ça. Donc,
L'ordre économique qui pas marché comme ça, il veut dire que l'activité économique est ralentie et l'État lui-même il rentre moins compte parce que côté d'argent, l'argent, il vient comme à partir de l'activité économique qui est taxé. Donc l'activité économique est réduite, il y a moins de recettes, mais c'est sous ça. Je dis à son pays sans contrôle, pas de parlement, pas de bagages, c'est un pile comme à détourner tout. Faut que tu dis ça, oui, un pile comme à détourner le pays. Contrôle ben augmenter tout. L'ordre de l'État qui totalement et m'dadi et de facto qui pas un rien avec contrôle avec rien du tout automatiquement ou bon risque pour qu'on ait augmentation systématique dans corruption contrebande toute bagaille et automatiquement et puis ou bien moins ressources dans pays a pour supporter mais ta question mairie gagne deux sources de revenus d'abord gagne revenu que vous faites localement à travers que ce soit impôt locatif yo bon cob dans patente que l'autre bagaille encore entreprise dans zone qui payer maintenant mettez sous ça que des mairies c'est lui-même c'est le ministère intérieur qui baille l'argent maintenant qu'on a quand t'a posé question qui côté ministère intérieur fait avec Kobi qui est-ce qui baille Kobi qui ça fait avec lui est-ce qu'il gagne assez est-ce qu'il détourne qui fait que mairie n'ont pas de support supposé gagner pour capable financer budget mais nous comprenons tout des zones qui impraticables tout automatiquement et pour locatif aussi mon qui des zones qu'est-ce qui va payer dans zone pas des bouquets qu'est-ce qui va payer dans équipe de zone encore maintenant activité économique yo, qui est-ce qui va faire patente pour des bouquets pour mairie à gagner l'argent donc c'est des situations particulières qui va demander effectivement que l'état central là li garder moun sa de manière spécifique pour régir et pour capable supporter yo parce que effectivement dans un contexte comme ça c'est très difficile pour devoir révoquer moun mettre moun camp parce qu'on pas ca payer yo pendant que et c'est des moun qui est à travailler avec l'état depuis quelque temps. Et l'autre problème là, c'est que en pile dans nous pour ne pas dire nous tous qui c'est les salariés nous venons plus pauvres. Oui, absolument, absolument. Et c'est ça me dépasse d'aller. C'est-à-dire que donc le salaire n'est pas ajusté. En pile. Oui, le salaire n'est pas ajusté pendant que le service n'a pas acheté. En dollars. En dollars, il a augmenté. Loyer caille qu'on y a là vous payez. Voilà, acheter une série de restaurants, petit en ville, une série de magasins sans US. Vous comprenez, je dis à 20 000 goud, ça le vous en 2015-2016, c'est pas les mêmes livres en 2022. 25 000 goud, etc. Donc ça veut dire. Condition nous, condition la vie nous a détérioré. Oui, économiste. Bien, plus mal. Et ça me donne ça, c'est que les gens qui sont moins guerriers, ils sont mal toujours. Parce qu'en pile, ils sont pas au prince. Donc, les gens qui sont transportés pour aller dans le côté qui est plus loin, c'est compliqué net. Et où t'as proposé nous, qui ça, comme solution? Bon, écoute, il y a un peu ce qui est important et guerrier, c'est qu'il faut comprendre dans le contexte d'inflation internationale. Donc ça, c'est le premier élément. Libéralement, au niveau géopolitique, il faut avoir un contexte beaucoup plus calme pour qu'attendre nous ayons plus ou moins accalmé la question. Parce que c'est peut-être des intentions, ça, Russie, les États-Unis, la Chine, etc., avec toute question de gaz et cap fait, et automatiquement, sous rationnement pour du alimentaire, tout ça, nous fait partie de lui. Et ça, ce n'est pas localement qu'on peut résoudre. Il faut que nous soyons d'accord sur le point ça. Maintenant, cependant, il y a ça qui responsabilité pas nous. Qui ça responsabilité pas nous. D'abord, c'est au niveau de crise sécurité avec crise politique. Songez, me dit que ça a participé en pile. Les gangs qui contrôlent un territoire, ils participent dans faire prix au plus cher. Pour nous, on a des droits à décider sur les vols babans de l'argent. Pour nous, on a vendu en bas d'Elma pour le babans de l'argent. Pour traverser Matissa avec conteneur pour le pays bandido, etc., etc. Donc, tout ça, il crée un climat terrible pour que le prix toujours augmente parce que on taxe qu'une sécurité à mettre sous produit qui fait que la population n'a pas acheté. Mais là, c'est l'État pour capable créer un climat de sécurité dans le pays pour activité économique capable de faire sans pression, sans situation. Ça. Et puis, l'autre élément qui est très important que je peux parler de lui. Et qui, pour moi, c'est l'élément qui est le plus important dans le rapport qui a fait ce sorti, le bulletin sorti hier soir. Et je vais tout le monde t'aider avec attention. IHSC distingue inflation sur produit qui a sur l'autre bord avec inflation sur produit qui a produit Haïti. Et attendez bien. Inflation sur produit qui a sur l'autre bord, 41%. Inflation sur produit qui fait en Haïti, 21%. Ça veut dire. Ça veut dire que tendance inflation en pire sur produit importé. Et qui ça représente?
ça veut dire gagnons opportunité jodi a pour que nous ta produit plus et importer moins de produits qu'a sauté à l'étranger. Chaque fois moi dis ça, personne monde pas attendre. Moi dis que l'inflation internationale c'est une opportunité pour renforcer production que ce soit agricole et industrielle et agro transformation dans pays à pour capable remplacer pour capable substituer produit ça à rentrer sous dans l'étranger. Et moi rencontre des entrepreneurs qui ça comprendre ça qui dit économiste nous peut pas doter dit ça moi réalise effectivement si mon produit bagage ça ici la plus bon pour moi la ca moins cher pour moi et m'a fait plus comme que si m'a importé par rapport à jambe bagage ça et l'autre voilà. Donc m'a fait un appel pour tout le monde non seulement qui dans domaine production mais aussi pour l'état font garder ministère commerce ministère finance qui ça que nous capable rapidement accompagner dans production en Haïti pas seulement agricole mais aussi agro-industriel dans pays ya, qui déjà con potentiel pour capable réduire importation produit ça au cap sur l'autre bord qui passe aucun sens pour payer que tout potentiel ça pour la importer 1 milliard de dollars 1.5 milliard pour du agricole avec agroalimentaire pendant que nous sommes capables de produire de la dette. Donc ça veut dire que aujourd'hui l'inflation beaucoup plus sur produit à marché l'autre bord que l'inflation sur produit qui a sorti local. Donc moi je pense que solution ça aussi pas c'est pour vous qu'on va payer des cartes d'inflation en défense mais sous la disposition pour capable de renforcer certains secteurs productifs dans le pays pour capable de produire production nationale pour capable peut-être dans 6 mois moins dépendant de l'équipe de produits en Chine, en Chine, aux États-Unis, pour capable même le SAR capable de ralentir souffle par rapport à la situation. Ça. Et maintenant, l'autre bague encore, je dis à la, ça n'a pas gardé là, il faut que le gouvernement capable de prendre des dispositions pour bailler des allocations dans le pays. Parce que, il y a des gens là, je dis à la, par contre, qui sont capables de fonctionner. Mais l'allocation n'est pas si difficile que ça. Donc, il y a pas de calcul tout à l'heure. Je vois que, si vous avez 200 000 familles, ou t'a permis de joindre 20 000 gouttes. Ça fait 4 milliards de gouttes. Je suis que 4 milliards de gouttes dépensent dans le pays à tout le temps pour faire ça de papa. 4 milliards de gouttes. Je ne vais pas dire que 3 000 gouttes qui n'ont pas aucun impact sur le monde aujourd'hui. Ya. Mais ils sont arrivés. Parce que le pays a prouvé que lors de l'allocation à des familles, il n'y a pas de déranger l'économie. Il augmente la consommation et le conseil augmente la taxe qu'on fait sur le produit. Et il permet que l'entreprise gagne la vente. Il y a un effet qui est positif. Moi, je pensais que faut réfléchir là pour nous dire que est-ce que nous avons dégagé 4 milliards de gouttes dans le pays pour nous permettre que 200 000 familles qui pi mal jeunes au moins de fonctionner parce que sinon nous allons arriver non et si l'agence abrive les jeunes monio c'est la problème là c'est corruption des fois qu'on abrive les jeunes monio donc sinon vers zone et dans là dans moi qu'abrive là nous capable bon émeute de la faim pour que mon nous sorte parce que grand goût peut-être yo plein sécurité à qui tape yo pour qu'a sorti même certain que yo gagne toutes conditions qui remplit plus mal que 2008 là de sorti ya peut-être deux fois plus mal pour mon ta sorti mais malheureusement monde politique en général qui qu'on activé en pile là dedans ou bien chita jodi là ça pas intéressé yo et deuxièmement mon yo tellement peur kidnapper avec mes captivés yo préfère peut-être grand coup la caillou au lieu que sorti pour protester contre ça. Et Jeremy, n'a pas rappelé aussi, économiste n'a pas recevoir matière dans le journal là. Tout à l'heure, vous rappelez nous un chiffre là que vous avez communiqué en mars dernier sur question insécurité alimentaire là. Vous avez parlé de 4,5 millions. Vous avez gagné un coordonnateur CNSA lui-même tout qui était lancé, qui était lancé un cri d'alarme, si vous capable de dire comme ça, côté vous avez dit, gagné 1,5 million tout qui est en situation d'urgence, c'est-à-dire des gens qui ont mouru grand goût. Ok? Dans le contexte ça, gouvernement, Ariel Henry à travers ministre affaires sociales Audney Pierre Rico et puis directeur général Faesta monsieur Paul Henri Voltaire ont lancé officiellement un programme et d'apaisement social sous même rubrique question accompagnement allocation t'a parlé ministre santé déclaré gagner pratiquement une enveloppe de 3 milliards de gourdes qui disponible eh bien pour programme ça qui ont été un programme multisectoriel pour l'apaisement et la réinsertion sociale des groupes vulnérables. Je dis à trois mois plus tard, est-ce que nous avons dit gouvernement qui côté programme ça fait, est-ce que vous avez arrivé à implémenter, qui ça résultat oui, et dans qui sens ça a aidé l'économie n'a pas parlé, je dis à là. Bon, moi je pense que l'implémenter, sinon il faut être dans la radio, même pas j'ai dit ça, et seulement annoncé que vous avez déboursé 3 milliards de gouttes pour faire face à problème social. Maintenant, un, nous avons implémenté. Mais deuxièmement, et Jean-Guerre est là,
qui ça que y a fait comme activité en 3 milliards de gouttes là, et est-ce que y a touché mon yo tout bon, parce que nous avons un gros problème dans le pays là, pas gagné données sur population qui assez clair qui monde qui pauvre, qui côté yoyé, qui condition la vie yo, qui quantité petit monde ça gagné, est-ce que monde ça comment non, dis pas combien nous y est tout. Justement, bon, même combien nous y est. Pour quelle raison? Je me rappelle, le dernier recensement habitant qui fait Haïti, c'est 2003. Dernière fois, il était compté en Haïti, en 2003. Le ça, il y a à peu près 7,3 millions d'habitants, et le parti c'est bien fait que ça. Pour moi, là, il était dit ça dernièrement, il était grand pile et ouais là-dedans. Moi-même, j'étais beaucoup plus jeune, mais ça m'était dans le secondaire, je me suis dit trop de bagaille, mais il était très mal fait d'ailleurs. Et là encore, c'était 7,1 millions que nous payons. Donc, entre temps, tout le monde a dit un chiffre, 11 millions, 12 millions, 13 millions, ou quand même 20 millions, parce qu'on ne connaît pas qui est haïtien qui est là. Donc, ça veut dire important, nous ne sommes pas capables, nous pas arriver à développer ça, nous des mécanismes de ciblage qui permettent que les gains d'intervention qui sont faites sociales pour nous capables de toucher mon bien, et qui vient faire que généralement, il y a pile détournement, corruption, et il y a pile manque d'efficacité dans les gens qui ont fait intervention. Donc, là, c'est extrêmement important. Et même dans la question Corona, je dis ça dans le rapport pour des comptes, le système que tu dis dans Corona pour bâmon l'argent, c'est un système qui n'est pas complet. Et guerrier, ou même qui sont dans le sud-est, ma bon exemple, système ministère des Affaires sociales utilisé, il y a 6 mars, pour capable bâmon mon support dans Corona, c'est 3 communes dans le sud-est seulement là-dedans. Alors que moi, c'est 10 communes, nous gagnons, oui, 10 communes. Oui, 10 communes. Donc ça veut dire que c'est 3 communes sur 10 dans le sud-est qui ont un système. Ça veut dire que il y a 7 communes qui ne sont pas touchées parce qu'ils n'ont pas dans liste là. Parce qu'ils n'ont pas jamais arrivé à créer une bonne base de données sur besoin monde, sur population, sur conditions sociales monde. Malheureusement. Et c'est pour ça qu'il explique toutes les autres qui fait sentiment mon chéri, un pile monde, un pile qui tabaye à des monde qui pas mérité 3000 gouttes de président Jovenel là-bas, là, il y a des monde qui pas supposé joindre, qui joignent parce que, encore une fois, nous avons un problème, nous pas arrivé à créer une bonne base de données pour capable faire intervention. Qui finit fait que nous n'avons rien trop attente, même temps du gouvernement annoncé comme. Que y a vraiment touché mon qui a besoin par rapport à la difficulté qui est dans ça. Malheureusement, c'est à partir de base de données ça même, ou ce que tu évoques là, que l'autorité a annoncé qu'il a et fait ça au gain pour faire. Mais maintenant, je me demande, est-ce que 3000 gouttes ça sont chiffres mythiques? Nous sommes dans le coronavirus là, sous l'administration Jovenel Moïse là, c'était 3000 gouttes qui a transféré par mon cash, mais le gouvernement ça a tourné dans le programme social ça, il a annoncé qu'il a transféré 3000 gouttes par mois à 50 000 gouttes. Non, vous avez demandé sur qui base vous décidez de 3000 gouttes. Si en 2020, vous parlez de 20 000 gouttes. C'est 20 000 gouttes par famille pour d'abord pour faire sens. Bon, faut toucher 200 000 mounes avec ça là. Libéral bon impact direct sur que ce soit sur consommation mounio, sur vente d'entreprise et même sur taxe sur chiffre d'affaires par la suite. Cependant, pour essayer de gérer le tout pour le pas et alimenter et inflation beaucoup plus. D'ailleurs, déjà, une bonne comme qui a injecté une économie pour financer le déficit de l'État. Année passée, c'est 50 milliards de gouttes. Le BRH paye l'État pour financer le déficit. 50 milliards de gouttes. Donc, est-ce que vraiment pas qu'à joindre en 3, 4, 5 milliards de gouttes pour faire un bail comme ça, temporairement, en attendant que nous travaillons sur son production nationale et aussi rétablir sécurité pour job qui a vu dans le pays? Parce que, guerrier, les prix pour du monté, c'est une, mais là, on n'a pas de travail. Là, c'est une peine de lier. Parce que si tu as un travail, même les prix ont monté, parce que moi, il y a des pays qui ont inflation, le pays de l'Argentine, l'autre côté encore, et mon travail. Ça veut dire que mon yo tient dérangé, mais Haïti, mon n'a pas de travail, et puis le bon la vie chère encore. Et on est sécurité encore. Ça fait quoi? En tout cas, guerrier, que ministre Pierre Rico, qui est ministre des Affaires sociales là, que directeur général Harry Voltaire, vient de la République, 3 mois plus tard, est-ce que le programme est arrivé implémenté? Est-ce que COB est arrivé débloqué? Si oui, qui ça a été fait? Non, parce que je dis à la, on garde l'impact. Vous avez annoncé le programme pour 3 mois. Le programme est annoncé en décembre 2021. En mai 2022, on lance officiellement. Donc de mai à août, ça fait pratiquement 3 mois. Or, ce programme est implémenté dans 3 mois avec 3 milliards de gouttes qui doivent être débloqués. J'aime ce que dit là, on a annoncé. Il y a environ 50 000 familles chaque mois, 3 000 gouttes transférées sur mon cash à partir de base de données CIMASIO. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Donc, c'est seul ministre là avec directeur Faïssa qui a répondu à la question. Et pour Patrick Boisvert, tout le temps annoncé que c'est comme ça, il y a plein qui finit disponible. Comment c'est l'air fin fait injection hein, pour commencer à monter progressivement le prix gaz là. Jusqu'à présent, comme ça va.
pas débloqué ou pas? Non, on a demandé avec une autorité. Et d'ailleurs, presque pas une autorité pour parler pour le gouvernement. Ça, tout. Pas gagné. On a dit ça récemment, l'MDKMB et pour JM. On a dit tout le monde qui travaille au gouvernement, ça décide d'être à l'intérieur, faire quoi, mais pas gagné, voulait prendre la responsabilité de parler. Oui. Est-ce que c'est parce qu'il y a peur ou parce qu'il estime que le gouvernement va gagner la fête? Il n'a pas gagné pour dire tout. Bon, moi, je dois dire, est-ce que par exemple, bon, peut-être qu'il y a des chiffres disponibles sur quantité emploi, job qui perdu, quantité entreprise qui ferme, mm-hmm. et je dis à la dans le pays d'Haïti par rapport à sa insécurité, etc. Sérieux, malheureusement, et pas gagné et rapport qui fait sur emploi, c'est une donnée qui est beaucoup plus grande dans le pays. Pas de données sur emploi qui est à jour, et pas de données qui parle de quantité entreprise qui ferme. Mais c'est une enquête sectorielle que nous menons en tant qu'économistes et de proximité. On a dit que nous réalisons effectivement un pile d'entreprises qui est fondée avec la crise là. Monde qui a moyen business, monde qui a petit business, monde qui a gros business tout, qui délocalisé, qui ferme en pile en pile. Et monde qui a des domaines agricoles. Et donc c'est vraiment un pile bagaille. Et sous tape un bloc sud là, ça y est les 5 départements. C'est-à-dire hein, qu'à partir de région des Palmes, qui est dans l'ouest, ou bien sud-est, ou bien sud, grandance avec NIP, il y a des secteurs qui mourent net, ou soit dans le sud-est, ou qu'on savait rien. C'est-à-dire que l'Ajac, il y a des zones avant qu'il a bougé. Dans les postes à lui, dans moi, son ville qui monte. Parce que pas de monde qui vini. Donc ça veut dire que et tout ça. C'est un pacte matissant au groupe Negazam qui joue une protection, qui joue une facilité, qui joue une toute bagarre avec monde qui est dans l'État, monde qui est en politique, etc. Donc, qui prend un pays en otage, 5 départements, ça, on va parler de eux par exemple. Donc, ça ne va pas parler de zone quoi des bouquets, de pile côté dans la plaine, monde qui est à vendre, monde qui est en business à faire construction, bandits empêchés de vivre, sous pas bah, ou problème fermé. En pile business dans zone ça ou dans Torsel qui ferme et me tape des années avec mon ami moi dit que Haïti c'est un rare pays côté que bandi pas vrai monde fait business parce que moi j'aime ça l'autre côté parce que moi voyager moi que bandi remet les activités à marcher plus capable de faire comme à partir d'activité mais mal dit Haïti Negazam, yo même pas d'accord moun gen business, yo pas d'accord dans zone nan yo. Donc pour moi c'est living créer tout en situation difficile, mais nous pas gen chiffre, mais nous pratiquement visible pour elle et tout ça affecte travail.